Genèse, il est écrit que je suis le tout premier homme. Dieu m'aurait créé le sixième jour à partir de la poussière de la terre et je vis dans le jardin d'Éden. Mais il n'est pas tout seul, car il y a moi, Ève. Vous savez quoi? Il paraît que Dieu m'a créé à partir d'une côte d'Adam. Nous sommes tous les deux des personnages de la Bible et je suis la toute première femme. Le jardin d'Éden est un vrai paradis. Tout est permis. Tout sauf une chose, manger le fruit défendu. Dieu nous a interdit de croquer dans le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, nous serons punis. Vous voulez dire ce fruit? Pourtant cette pomme a l'air délicieuse, pas vrai, Ève? Je suis Satan et j'ai la forme d'un serpent démoniaque dans cette histoire. Ève, pourquoi ne pas manger cette pomme? Rien qu'un petit morceau. Ne veux-tu pas y goûter? Malheureusement, j'ai croqué dans la pomme et j'ai obligé Adam à y goûter aussi. Dieu nous a alors bannis du paradis terrestre et nous a tous punis. Moi, Adam, je dois maintenant cultiver durement la terre pour pouvoir nous nourrir. Et moi, Ève, je suis à présent condamnée à mettre au monde des enfants dans la douleur. Même moi, j'ai été chassée du jardin d'Éden et je dois maintenant ramper au sol pour pouvoir me déplacer. Tout ça à cause de cette maudite pomme, comme on le voit sur la statue d'Émile Fernand Dubois. C'était l'ancien conservateur du musée. Je suis assise sur une pierre et je tiens une pomme dans ma main gauche. J'hésite à manger ce fruit. Elle a l'air apeurée. Au moins, depuis ce jour, nous avons décidé